Alors aujourd'hui, on va vous présenter C'est Noël, un livre avec des sons à écouter et des volets à soulever de chez Grund. Vas-y. Écoute, c'est Noël. Voilà, on va regarder les pages. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors aujourd'hui, la première page, c'est dans la forêt. Donc il y a certains animaux. Est-ce qu'on peut voir là-dedans? Allez, on va ouvrir le premier volet. Oups là. Alors le premier volet, c'est le sapin qui ne perd pas ses aiguilles en hiver. On le coupe pour décorer sa maison. Alors, est-ce qu'on a des petits bruits quelque part? Oui, le bûcheron? Avec la scie, un bûcheron coupe le sapin. Ouais, là. Et là? Attends. Alors, attends, je le prends, je le fais. Non, je vais. Vas-y. Ah. Tu entends les pas des enfants dans la neige? Ah, ça, c'est les enfants qui s'amusent dans la neige. Alors, vas-y, rassieds-toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une autre page pour voir, pour changer? Alors, on découvre un petit hérisson derrière le petit volet. Alors, après, on a... Le marché de Noël. Le marché de Noël, oui, c'est le petit village illuminé. Mmh. On ouvre. On a un petit chalet où on peut trouver des guirlandes, des boules de Noël, des décorations. C'est le marché de Noël. Qu'est-ce qu'on peut écouter sur cette page? C'est joyeux, le marché de Noël. Ah oui, c'est vrai que c'est joyeux un marché de Noël. Tiens, il y a des patins à glace, peut-être qu'on peut entendre comment ils font. Écoute les patineurs qui glissent sur la glace. Ah oui, ça change. Par contre, le micro, il est sur les genoux de maman, donc on n'entend pas très très bien. Fais voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc là, on a les confiseries. Ah bah oui, il faut toujours des confiseries dans un marché de Noël. Donc là, on est dans le parc. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le parc? Alors, une fontaine. Une fontaine. On nous explique que quand il fait très très froid, ben, ça se forme des stalactites. C'est des petits glaçons. Est-ce qu'il y a un petit rouge-gorge quelque part? Là, il y en a. Alors, vas-y, fais-le chanter, le petit rouge-gorge. Le rouge-gorge chante dans le jardin. Bien. Alors après... Attends, on n'a pas fait ça. Ah oui, il y en a un autre. Donc, vas-y. Une fois, c'est tout. Le vent souffle dans les grands arbres. Le vent souffle dans les branches d'arbres. Alors, faut savoir qu'on n'entend pas très bien. C'est sur mes genoux et c'est derrière qu'on a le petit micro. Oui. Alors, oui, on a un petit nichoir à soulever. Exact. C'est bon. On monte juste une dernière page. Donc, une bûche qu'il ne faut pas oublier de décorer. Peut-être qu'on a une horloge là qui fait du bruit. Tu vois? L'horloge sonne les 12 coups de minuit. Ouh, ça veut dire que le Père Noël, il n'est pas loin, ça, hein? Donc on a dans la cuisinière une dinde avec des marrons. Je vais voir si le Père Noël est pas loin. Je le vois le Père Noël sur notre page. Arrête, maman, on n'a pas fait ça. Ah, on n'a pas fait celle-là, autant pour moi. Le feu crépite dans la cheminée. Oui, c'est vrai. Donc en moyenne, il y en a une par page, un son par page. Donc là, on a le Père Noël. Donc un petit volet à ouvrir, la hotte du Père Noël avec les cadeaux. Père Noël. Et les rennes, qu'est-ce qu'ils font comme bruit? Le Père Noël arrive. Ouais. Entends-tu le traîneau? Oui. C'est magnifique. Il est magnifique ce livre.